since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Bonjour à tous, ici Dago Dorwan. Aujourd'hui, je teste des écouteurs Bluetooth 5.0 qui sont également IPX5. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils résistent à la sueur et à la pluie. Bien sûr, il ne faut pas nager avec. Ils sont compatibles avec tous les systèmes Bluetooth, donc Apple et son système iOS, Android, Windows, Linux et les autres. Avant le petit test, le déballage. Donc dans la boîte, on retrouve un mode d'emploi, donc le manuel en français. Donc il y a bien sûr d'autres langues, donc anglais et tout ça. Donc, mais là, vous le retrouvez en français, donc il est bien retranscrit, pas de problème. Donc vous serez content d'un mode d'emploi en français. Vous avez bien sûr le câble de recharge, donc les écouteurs se rechargent en micro USB. Donc on retrouve ici la connectique ici. Donc il se recharge en 5 volts, 1 ampère. Voilà, on retrouve bien sûr les écouteurs. Donc ils sont vraiment vraiment petits. Hein. Donc si je vous le mets dans ma main. Voilà. Donc la station de recharge bien sûr. Donc une très très belle boîte. Voilà. Et les bouchons en caoutchouc qui s'adapteront à vos oreilles. Donc il y a du plus grand au plus petit. Moi j'ai installé le plus petit. Donc parlons un peu de cette boîte. Donc la boîte intègre une batterie de 500 mAh. Elle se recharge en 3 heures. Il y a une indication de charge pour voir si la boîte est complètement chargée. Il y a un bouton de charge ici. Donc on voit donc le couvercle ici est transparent. Hein. Il est bien teinté mais transparent. On peut voir à travers. Et le bouton ici, on peut voir le niveau de recharge. Et on peut voir aussi quand on le branche sur le secteur. Donc le taux, donc il y a 4 LED bleues qui nous indiquent le taux de charge. On voit bien que la boîte ici recharge. Donc cette boîte aussi permet 5 recharges complètes. Donc les écouteurs, ici, ils ont une autonomie de 3h30 à 4h, donc vous pouvez écouter de la musique, regarder des vidéos pendant 3h30 à 4h non-stop. Et la recharge via la boîte, les écouteurs se rechargent en 30 minutes. Donc comme vous avez vu, les écouteurs sont aimantés, donc à la boîte. Donc très facile, donc on risque pas de les faire tomber, même si on fait tomber la boîte. La boîte aussi, elle a un couvercle aimanté. Donc c'est une très très belle boîte, des très très beaux écouteurs. Donc maintenant passons à la connexion au smartphone. Donc les écouteurs s'allument et s'éteignent automatiquement une fois de sortie de leur boîte et se connectent entre eux directement une fois qu'on a sorti les deux de leur boîte. On peut utiliser un seul écouteur à la fois si on le désire. Donc ils sont en Bluetooth 5.0 et la connexion, on va le voir ici au smartphone, sera assez simple. Et une fois qu'on les remet dans leur boîte, ils s'éteignent aussi automatiquement. Donc n'ayez plus peur d'oublier de les éteindre ou pas. Ils s'éteignent et s'allument automatiquement une fois dans leur boîte et se rechargent aussi automatiquement. Donc passons réellement à la connexion. Donc on regarde, on active son Bluetooth bien sûr, on va dans les paramètres de son Bluetooth, on va dans les paramètres de connexion, on fait rajouter un élément, on repère donc bien sûr, on allume, donc on sort un écouteur pour qu'il le repère. Donc je vais sortir les deux. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, moi je l'ai entendu, comme quoi ils se sont connectés ensemble. On va refaire une recherche.
Donc vous voyez, et là vous voyez apparaître X8L. Je vais essayer de vous le montrer plus correctement. Voilà, c'est simple, il suffit de cliquer dessus et ils vont s'associer automatiquement. Donc on met OK bien sûr si le smartphone nous le demande. Et là on voit bien que les écouteurs sont connectés. Donc avec mon smartphone Xiaomi Mi A1, on peut voir le niveau de la batterie des écouteurs. Ici apparemment, comme je suis ici en Android 5.0, sur Android ça fonctionne que en Android 8 pour voir le niveau de batterie. Sinon on voit réellement le niveau de batterie de ces écouteurs. Donc sur Apple, hein, donc sur iPhone, on voit directement le niveau de batterie, ça fonctionne correctement. Donc on a l'indication du taux de pourcentage que les écouteurs sont en recharge. Mais comme on les met régulièrement dans leur boîte, hein, sauf si vraiment vous les mettez pas dans leur boîte. Si vous avez vu, quand je les ai remis dans leur boîte, ils se sont déconnectés. Et si je les reprends, les écouteurs, ils vont se connecter automatiquement au smartphone. Donc, moi, j'ai mis dans les paramètres. Et donc, vous avez vu, ils se sont connectés sans que je fasse aucune opération. Donc, voilà. Donc, la connexion au smartphone qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très simple. Comme je vous l'ai dit, les écouteurs sont en Bluetooth 5.0. Donc ça permet une meilleure stabilité de connexion et il y a une très très belle stabilité entre les écouteurs. On peut s'éloigner facilement de son smartphone d'au moins 10 mètres sans perdre la connexion. Donc au Bluetooth de son smartphone en gardant bien sûr une fluidité d'écoute. C'est ça qui est important, on peut s'éloigner d'au moins 10 mètres du smartphone, pas plus hein, bien sûr, sinon on perd la réception et le son reste toujours correct. Donc parlons un peu de ces écouteurs. Donc les écouteurs sont des intra-auriculaires comme vous le voyez ici. Donc moi je suis pas trop fan des intra-auriculaires, mais vraiment avec le plus petit bouchon ici en caoutchouc, ils tiennent parfaitement à mes oreilles, je dois pas toujours les replacer. Et ils sont très confortables, même après une heure d'écoute, ça ne me dérange pas. Donc ils s'allument et s'éteignent automatiquement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand on les sort et retire de sa boîte, ils se connectent directement à son smartphone. Donc la connexion est un peu plus lente parce que ici je suis en Android 5 avec mon Mi A1, c'est instantané. Donc chaque écouteur donc, possède un bouton de contrôle. Il faut un petit temps d'apprentissage hein, pour s'habituer aux différentes fonctions. Pour décrocher et raccrocher un appel, il suffit de faire un clic. Et là, on décroche ou on raccroche après un appel, que ce soit le droit ou gauche, hein, peu importe. Donc pour refuser un appel, il faudra rester appuyé un petit temps et vous allez entendre un bip. Et ce bip va signaler le refus d'appel. Donc ces écouteurs permettent de faire play et pause aussi également. Hein. Donc je vous ai mis ici le lecteur de musique. On peut le faire également bien sûr sur YouTube. Donc je fais ici, ça fait play. Je clique une fois, ça fait pause. Je peux faire des deux côtés hein, des écouteurs sans problème. Et vous voyez ici, ça fait play et pause. Donc on peut également, donc si je veux changer de piste, hein, de son, je peux en double-cliquant sur le bouton droit, donc aller à la chanson suivante, et si je veux aller à la précédente, hein, retourner où j'étais, je double-clique ici, comme vous voyez, double-clique. Voilà, donc on fait pause, on peut faire play, pause, ou play, ou pause, ou play, comme on veut, sur n'importe quel écouteur. Pour augmenter le volume, il faut faire trois clics. Donc il faut un apprentissage, hein, parce que c'est pas toujours évident. Parfois,
on active une autre fonction parce qu'on n'a pas été assez vite, ou inversement, on a été trop vite. Donc, il faut bien s'habituer aux fonctions. Donc, 3 clics pour augmenter le son sur le gauche et 3 clics pour diminuer le son sur le droit. Donc ça, ce sera un apprentissage hein, qui sera au fur et à mesure. Donc voilà. On peut éteindre et allumer aussi les écouteurs sans passer par la boîte. Donc si on veut vraiment les éteindre et pas les recharger pour pas user la batterie qu'il y a dans les écouteurs, hein, bien sûr, à force de remettre et de les enlever de la batterie, bah, qu'ils rechargent et qu'ils déchargent, rechargent sans être complètement vide, ça peut user plus rapidement la batterie. Donc on peut, en cliquant 2 à 3 secondes sur l'écouteur, on peut les éteindre. Passons quand même au plus important, le son. Donc, contrairement au i7S mini et aux écouteurs S6, ici Bluetooth S6, le son, vraiment, ça n'a rien à voir. Hein. Bien sûr, on passe sur d'autres tarifs. Ici, on a 2 euros. Ici, moi, je les avais payés 8 euros et quelques, et encore en promo. Et maintenant, on les retrouve à 5 euros sur mon blog. Ici, on est sur des écouteurs quand même. Je les ai payés 36 euros. Donc, pour cet confort et qualité de boîte, donc cette station d'accueil quand même très très belle, une belle finition des écouteurs, 36 euros, c'est vraiment pas cher payé. Donc, ces écouteurs, ben, ils ont de très bonnes basses, le son ne sature pas, donc ils ont une belle qualité. Au début, je pensais que le son était un peu faible, mais vraiment, vraiment, ça suffit largement parce que c'est des intra-auriculaires et un son plus fort nous rendrait sourd quand même. Donc, vaut mieux qu'ils ont limité quand même le son. Parce que dès qu'on les met, au fait, déjà, ils nous bouchent les oreilles. Donc, on n'entend pratiquement rien à ce qui se passe autour. Et en plus, avec le volume des écouteurs, ben, ils ont des réducteurs de bruit, hein, ces écouteurs. Mais on n'entend pratiquement rien. On entend des petits bruits, mais pas plus. Donc, ça reste quand même de bonne qualité au niveau écoute. J'étais impressionné quand même, pour 36 euros, c'est vraiment pas cher payé. Donc passons à ma petite conclusion. Donc comme j'ai dit précédemment, ce sont les meilleurs écouteurs que je possède. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je les ai achetés, puisque j'en possède hein, des écouteurs, il me fallait des écouteurs, comme je vous ai dit, sont IPX5, donc des écouteurs pour le sport. Et comme je transpire beaucoup, il me fallait des écouteurs qui résistent quand même à la sueur et à la pluie. Et pour vous dire aussi, je les ai trouvés très beaux sur le site et je les ai achetés, j'ai craqué. Hein. Donc ils sont vraiment, ils sont beaux, hein. Comme d'habitude, j'ai craqué. Et ces écouteurs... ça fait 2 semaines que je les utilise, donc je peux vous dire que la batterie correspond à la description donc de la fiche technique. Hein, donc ils mettent 20, la boîte met bien, donc on peut avoir 20 heures d'écoute réelle avec ces écouteurs. Ils mettent bien 3h30 à 4h. Peut-être ça va se dégrader avec le temps, hein, comme toutes les batteries. Hein, smartphone, ça se dégrade, toutes les batteries se dégradent. Donc ça, on va voir avec plus de temps. Le son est de superbe qualité, que ce soit en écoute de la musique, en appel ou en streaming. Hein, on a un son HD, hein, quand on reçoit un appel, le son est vraiment clair. Et la puce ici à l'intérieur, c'est pas comme les i7S. Ici, on a un décalage son et image quand on fait du streaming vidéo. Avec cela, c'est sûr, ici on est à 5 euros, ici on est à 36 euros. Donc la performance et de son et de qualité sont vraiment pas les mêmes. Donc je vous compare cela à cela. Mais c'est vrai qu'à 5 euros, on peut pas trop leur reprocher. Alors 2 euros ici, à part qu'il manque de basse. On peut vraiment pas grand chose à reprocher à ces écouteurs qui sont bas de gamme, hein, mais le prix est conséquent. Donc ces écouteurs, je les ai achetés pour vous dire sur Amazon,
C'est très très rare que j'achète sur Amazon. Ici, je les ai payés 36 €, donc 35,99, 35,99. Hein. Moi, je viens de Belgique, hein, je dis 99. Et donc, bien sûr, ils valent 40 € sur le site, hein, ils valent 39,99. Moi, tout ce que j'achète, je le négocie, que ce soit sur AliExpress, Gearbest ou autre. Je négocie les prix. Après, moi, ma négociation, je vous le mets sur mon blog. Donc, le vendeur sur Amazon est très très sympa. Donc, j'ai parlé avec lui. Donc, je lui ai dit que j'avais un blog et tout ça. Donc, il a accordé au blog 10% de réduction. Il m'a accordé aussi 10% de réduction. Hein, donc, c'est pour ça que je les ai eus à, donc, je dis pas de bêtises, à 35,99. Donc c'est pas grand-chose hein, sur les 39,99, 10% c'est toujours 10%. C'est toujours bien. Donc je vais vous mettre le code promo sur mon blog. Et le vendeur très sympathique, hein, le blog n'est pas sponsorisé par Amazon. Hein, donc c'est pas parce que vous allez acheter via mon lien. Ça fera juste plaisir à ce vendeur qui est vraiment sympa, donc je lui fais un peu de pub si ça peut aider d'autres personnes qui en vivent, hein, qui nous vendent ça, qui touchent eux une petite part. Hein. Donc j'ai repéré ces écouteurs aussi sur d'autres sites, mais les caractéristiques sont légèrement différentes. Donc la batterie est moins bonne et les composants à l'intérieur sont un peu moins bons. Donc faites attention à ça. Faites confiance au vendeur que je vous ai sélectionné sur Amazon. Il livre très très vite et vous avez une belle garantie de sa part. Et vous dites que vous venez d'un Godorwan. Si vous avez jamais vous avez un problème, ou vous me le dites et j'en référerai au vendeur hein, qui parle bien français, même s'il est chinois, il parle correctement français. Après, je ne sais pas si c'est avec une traduction, mais d'après moi, il parle correctement français. Donc voilà. Donc pour finir, comme d'habitude, merci aux anciens d'être fidèles et aux nouveaux de vous abonner. Si vous avez des questions ou un petit souci, n'hésitez pas à poser votre question. Le blog et ma chaîne YouTube ont été créés pour ça. Même si mes vidéos ne sont pas de superbe qualité, elles ont le mérite d'aider. Merci d'avoir regardé. À dimanche prochain. C'était Dingo Dorwan. Abonnez-vous et téléchargez mon application. Want you to notice the one and I know this perfect soulmate. I wanna show her my best friend. She saved my life, my happy end in hard times.